The Lakes of Oder are Belgium's largest water plain. It attracts visitors with numerous aquatic activities. An adventurous way to explore the beauty of the site is to glide down the impressive trees above the pristine water as the highlight of a climbing route. Alors j'ai trouvé ça très très sympa et en fait on a l'impression que c'est pas du tout difficile et au fur et à mesure des épreuves ça devient de plus en plus difficile. À la fin du parcours on se sent quand même franchement fatigué. Respecting local culture and the environment is an important objective of this Eden destination. Belgium's largest dam plays an important role in managing its fragile ecological balance. Pour protéger la qualité de l'eau et l'environnement naturel, nous avons des stations d'épuration, nous avons un système de filtre au niveau des barrages et nous travaillons beaucoup aussi avec les touristes pour les encourager à utiliser les poubelles et tout ça. Cultural heritage can be experienced only a short trip away from the lake. In the nearby village of Serrefontaine, visitors can witness the vivid traditions of the Wallonian region. The procession that dates back to the Middle Ages is the cultural highlight of the year. Moi je suis cantinière, donc je sers de la goutte à qui veut en boire. Donc chaque année au 15 août, on se réunit pendant 3 jours et on parcourt les différents quartiers du village. Alors là on rencontre les gens, ça fait partie des traditions de ce village. Back at the lakes, there is something for everyone to experience at this Eden destination. Visitors may take a charming ride with an amphibious bus that provides a unique perspective on the water and the natural habitat that surrounds it. The Lakes of Oder, Belgium's largest water plain, offer abundant opportunities to experience water with all the senses.